Bonjour les copains et les copines, c'est Soane et Alizé. Aujourd'hui on va parler de l'instruction en famille. J'ai pris une décision, sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous, on a décidé de faire l'école à la maison. Du coup, on va vous raconter notre journée à Soane et moi. On se lève à l'heure qu'on veut. Ça m'arrive de me lever avant tout le monde et surtout avant Soane. Après, on prend notre petit d'âge tranquille, pas besoin de se précipiter. Alors je prends les céréales à Bonito, c'est le cheval de notre grande sœur. Puis on prend aussi le couteau. On passe sur le pont mais vous ne le voyez pas. Après on va donner les céréales à Bonito. On prend le foin, on coupe la ficelle, c'est ça pour qu'on a pris un couteau. Après on rentre à la maison. Et quand on est rentré à la maison après, on fait nos devoirs, on a l'application Wiloki sur notre tablette, un cours qui commence par une petite vidéo. Après, t'as les exercices et t'as des défis, tu as tes messages, tu peux parler à des autres gens. Et après, on a aussi nos cahiers où t'as une petite leçon à lire. Et après, tu travailles, t'as maths, français, histoire, géo, sciences, anglais. Dans mon cahier à moi, t'as une petite ardoise et aussi tu peux écrire ta table de foi, des trucs comme ça. On fait des cours par correspondance. Après, y a des fiches qu'on doit faire. Papa, il les imprime. Ça, on peut écrire. Après, papa, il peut scanner qu'est-ce qu'on a fait et envoyer. On mange en famille. Qu'en cantine, je ne vois pas mon papa et ma maman. On aide Alizé et moi à mettre la table. Maman, elle fait à manger. Puis, elle nous sert et on mange. Ce midi, on a mangé du poulet et de la purée, que j'ai pas aimé de la purée. Et nous, pour l'après-midi, on va se promener, on va ramasser des châtaignes, des champignons, on apprend les plantes, on ramasse aussi des arbouses, on fait du bricolage, on travaille sur les toilettes sèches. Et les toilettes sèches, en fait, c'est on tire pas la chasse d'eau, à la place on met des copeaux de bois. Sur le grillage, on voulait mettre des bambous, on l'a pas fait parce qu'il pleut. Avec toutes les châtaignes qu'on a ramassées, on va faire de la crème de marron, on fait des gâteaux. L'après-midi, des fois, on fait des jeux, on joue. Moi, je joue au foot, au Lego, au Playmobil. Après, l'après-midi, on regarde un petit peu la télé quand il fait pas beau. On va aussi dans le trampoline, on va dans notre balançoire, le toboggan. Puis après, des fois, on peut s'amuser avec mon cochon d'Inde. On peut aller s'amuser l'autre hectare qu'on a, notre chat. Et après, on lit des livres. Moi, je lis Inazuma Eleven Go. Après, on fait le repas en famille et quand on est fatigué, on se couche direct. Quand on n'est pas trop fatigué, on regarde un film jusqu'à 22h maximum. Ce qui est bien dans l'instruction en famille, c'est qu'on voyage, on va dans des endroits différents. Après, on s'est fait plein de nouveaux amis. On a même fait une propre équipe de foot dans l'instruction en famille. On a aussi trouvé notre coach qui vient de l'Argentine. On travaille sur des choses différentes. On est moins enfermés. On peut partir en camping-car avec Marley, Link, papa, maman, Alizé et moi. Et des fois, on peut aussi partir avec des fois notre grande sœur, notre beau-frère.
notre neveu et nièce, des fois avec des amis. Quand on travaille, on va dans des endroits différents. On avait appris à faire de la peinture avec du charbon, des épices. À la plage du Salagou, on a fait une chasse au trésor. Les grands nous disaient ce qu'on devait prendre et on prenait des choses, on devait vite les ramener. On fait aussi un feu de camp. À la fois, on a fait un gros feu de camp, on avait pris des châtaignes. Et des chamallows. Je veux pas retourner à l'école normale parce qu'on est enfermé dans une pièce qui fait très très beau. On est enfermé 6 heures. Je veux jouer dehors. Je ne veux pas retourner à l'école parce qu'on doit porter le masque. On reste enfermé. Il fait beau dehors. Maintenant, on n'a plus le droit de prendre notre goûter. On ne peut plus aller jouer, prendre l'air. C'est impossible d'aller à l'école. Moi, je dis non. Abonnez-vous en cliquant sur notre petite tête. Activez la cloche. Laissez-nous des commentaires. Et partagez. Tchut. Au revoir. C'est Yannick. Bonjour les amis. C'est Zoan et Alizé. Je croyais qu'on disait copain et copine. 3, 2, 1. Bonjour. Après. Ah, c'est moi.